Bonjour tout à tous, amis, c'est Gal Toulon. J'espère que vous êtes en super forme. Pour moi, c'est un super, les gars, vidéo extraordinaire parce qu'on va découvrir le nouveau Brawl Talk. Et franchement, les gars, il y a du lourd une fois de plus. Nouveau brawler, nouveau skin, nouveaux émotes animés. Le retour du championnat. Enfin, les gars, il y en a pour tout le monde. Skin de la Saint-Valentin. Vous allez kiffer. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus sous la vidéo. Si vous voulez qu'on débloque tout, hein, les gars, abonnez-vous à la chaîne aussi. Il faut qu'on débloque tout dans un temps record dès que les skins seront disponibles, le brawler, etc. Vraiment, je compte sur votre soutien. Et le code créateur Gaël, les gars, il s'enlève toutes les semaines. Pensez à réactiver le petit code GAEL. Et on va pas perdre plus de temps, les gars. On va partir directement sur le Brawl Talk. C'est parti. Donc, du coup, on aperçoit Dany à droite avec sa veste de Colt. À gauche, c'est probablement Ryan, les gars. On va le découvrir ensemble. Mais voilà, Ryan habillé pour partir dans l'espace. Ils sont chauds. Et donc, on a déjà le thème du futur Brawl Pass, les copains. C'est important qu'on se retrouve dans l'espace commentaire, les gars, sous la vidéo, pour débriefer un petit peu de ce que vous allez voir. Parce qu'il y a beaucoup d'infos en peu de temps. Hein, même si on se le débrief à la fin de la vidéo, les gars, c'est quand même important qu'on puisse en parler. Ils sont revenus dans leur tenue normale. Et on va partir directement avec un gameplay du nouveau brawler, normalement, qui devrait arriver dans quelques secondes. Et vous allez voir que ça ressemble un petit peu à un Ricochet. Alors, ils se font désirer, là, pour l'instant. Et on est parti, ok. Donc le nouveau brawler, la nouvelle Star Force, la nouvelle saison du Brawl Pass. Le brawler, vous avez vu, il ressemble à un toutou. Voilà, Colonel Ruff. Donc les gars, franchement, ça va être stylé. Alors ça ressemble un peu à Ricochet, ses tirs, sauf qu'il est, il a deux tirs. Hein. Vous allez voir que ça, voilà, ça met deux tirs. Il fait très mal. Alors moi, j'ai toujours trouvé que Ricochet, c'était un brawler qui était assez dur à bien jouer. Donc celui-là, potentiellement, ça pourrait être compliqué à gérer. Même si là, quand on voit des extraits de gameplay comme ça, ça paraît pas incroyable non plus. Ça a l'air quand même jouable. Mais graphiquement parlant, c'est stylé. J'espère qu'il mettra des bons gros dégâts, qu'on puisse se régaler avec ce brawler. Un nouveau skin de Daryl pour reprendre. Donc du coup, le skin du brawler qui va sortir, Ronin Ruff. On a aussi, qu'est-ce qu'on a de beau, les gars? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un skin de Bull qui est magnifique, le skin de Colette Navigator, un skin de Spike, les gars. Celui-là, je vous le remets, c'est mon préféré. Alors, il y a aussi un truc important, c'est que c'est votre dernière chance de choper les skins du Nouvel An Lunaire. Donc, ils seront présentés une dernière fois dans le shop. On a un skin de notre petit Karl, le skin Saint-Valentin de Lou, Smooth Lou, voilà. Il va nous envoyer des cœurs, c'est mignon. Donc, du coup, les gars, celui-là, c'est pareil, hein, skin Saint-Valentin, on est obligé de prendre. Le championnat qui est de retour, donc c'est plutôt intéressant. Ça nous fait en général des bonnes vidéos, ça en kiffe les faire. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous ont montré d'autre? Alors, on a aussi des gadgets qui vont arriver, des nouveaux gadgets qui vont arriver dans le jeu. Et c'est une bonne nouvelle, les gars, ça ramène toujours une petite nouveauté au jeu, surtout quand on voit des gadgets comme celui de Colt. Les nouvelles émotes animées qui vont arriver. Donc, ça commence à faire beaucoup d'infos en peu de temps, les gars. Va falloir se débriefer tout ça en fin de vidéo. En tout cas, le nouveau brawler, pour ceux qui ont bien regardé l'extrait, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il va être OP ou pas. À mon avis, il va être hyper intéressant. Je le trouve graphiquement déjà sympa. Il est agréable à regarder. J'espère qu'il sera agréable à jouer. Et là, il nous montre le bêtisier. N'hésitez pas vraiment, les gars, à vous abonner à la chaîne officielle de Brawl Stars. Je la mets toujours en description sous les Brawl Talk. Vraiment, n'hésitez pas à aller les suivre. Il faut leur faire péter les 10 millions d'abonnés. Je crois qu'ils sont à plus de 8 millions, 8 millions 5. Donc, les gars, il faut qu'on les aide et on retourne sur l'interface de mon jeu, voilà, nous sommes bien connectés, les gars. Donc du coup, je vais vous superposer un petit peu les skins à gauche, à droite, qu'on puisse voir un petit peu tout ça. Moi, pour moi, le mieux réussi, c'est à la fois, alors j'ai deux trucs. Le nouveau brawler, sur son nouveau skin, je trouve qu'il est grave stylé, même sur le skin de base, hein, sur son modèle de base. Et mon skin préféré, c'est le Spike. Hein. Le Spike, je le trouve vraiment, limite, on le reconnaît pas beaucoup, je trouve. J'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le skin de Colette est bien. Mais c'est pas mon préféré, celui de Karl non plus. On a le Daryl qui est stylé, le Bull. Ah, le Bull, j'aime beaucoup, les gars, le Bull. Dites-moi en commentaire, le Bull, est-ce qu'il est validé ou pas? Je trouve vraiment que là, on sort un petit peu du Bull qu'on connaissait habituellement. Le skin Saint-Valentin de Lou, qui est quand même assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, les gars, les émotes animées, bien sûr, on essaiera de les acheter. Le championnat, on essaiera de viser le maximum de victoires. Il faudra absolument se qualifier, les gars, c'est une obligation. Pour, voilà, pour récupérer des points stars, du gold, etc. etc. Et moi, je pense, les gars, qu'on va se faire un petit bonus de game. Je vais me connecter sur mon petit compte reconfiné. J'ai un surge assez bas. Et on va se faire 2-3 games vite fait.
Voilà les gars, on a switché sur le contre-confiné, nous sommes avec Surge. On va partir en game, ça va permettre de débriefer un petit peu tout ce qu'on a vu. Toutes les infos qui nous ont été lancées. Je rappelle que le brawler sera disponible au palier 30 hein, du Brawl Pass. A priori, les gars, voilà, vous pourrez peut-être pas tous le modifier directement à part ceux qui ont des gemmes. Parce que du coup, il sera pas normalement packable. Alors je sais pas s'ils reprennent exactement le même concept que le dernier Brawl Pass. Rappelez-vous, il fallait être minimum palier 30 pour pouvoir le débloquer. Alors là, on fait un start de game qui est chaud. Ouais, ouais, lui il va bouger. Ce qui est cool, c'est qu'il me laisse charger mes niveaux sur lui, et ça c'est un frère. Ça c'est un frère, ça fait plaisir. On se met au niveau 3, on est plutôt pas mal. Et les gars, dites-moi quel est le skin préféré. Quel est votre skin préféré? Moi je me concentre un tout petit peu. Voilà, lui il m'a farmé la popo, en vrai c'est gentil. On va essayer de le rendre un petit peu fou. Je vais essayer de surtout me l'appliquer sur les tirs. Alors là, ça meurt, il me file 3 pots, on va aller chercher le pot du haut. En vrai, je suis pas pressé de prendre le fight final, les gars. Autant le prendre avec le plus de pots, même s'il a 9, on est absolument incontestable. Ils ne pourront rien faire pour m'empêcher de gagner. Oui, je pense que lui, il a bien fait de comprendre que c'était compliqué pour lui. On le finit en lui sautant dessus. Alors attention, on va quand même récupérer cette énergie-là. Nous sommes en spot, les gars, inarrêtable, inarrêtable. Du coup, c'était quoi qui restait, les gars? J'ai même pas fait gaffe. C'était quoi le brawler, là? J'ai oublié. Voilà, c'est un Daryl. C'est un Daryl, les gars. On l'a croisé il y a 2 secondes. Alors, il peut multi, mais même s'il multe, il pourra rien faire. J'ai en spo. Ok. Ok. Et là, on va essayer de le finir en lui sautant dessus. On va essayer de lui manquer de respect. Allez, viens par là, viens par là, viens par là, viens par là. Bim! Voilà, les gars, c'est du catch. C'est du catch. C'est du catch, tranquillou. On a fini les deux ennemis. Ah, on va se faire une petite game avec le Spike aussi. Le Spike, on est un petit peu obligé, les gars. Voilà, par rapport au skin qui va sortir, qui est juste génial, on est un petit peu obligé de faire quand même une game avec. Après, je couperai la vidéo, mais vraiment, j'attends vos retours en commentaire, hein, les gars. Est-ce que on a les mêmes goûts ou pas? Est-ce que vous aussi, le Spike, vous plaît? Alors, on a un Brock de ce côté-là. Lui, il a décidé de m'humilier, c'est pas gentil de sa part. On essaie quand même d'éviter un petit peu ses coups. Moi, je vais essayer quand même de prendre les pots au début. Voilà. Tac, il veut me tuer, lui. Hein. On va quand même faire un petit peu attention. L'Anita, par là. Je pense qu'on peut lui mettre assez cher. Oh là là, les gars, j'ai fait n'importe quoi, là. J'ai fait n'importe quoi. Je pense que lui, il peut mourir. Faudrait que je régène. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je régène ou pas? On a 37 PV depuis 2 heures. En vrai, je les joue d'assez loin. Je pense que l'Anita, elle va mourir, là. Ok, ça meurt. Faut pas qu'il pique les popos. Faut pas qu'il me pique les popos. Il y a un boule par là, les gars. Ouais, j'ai bien vu. On va essayer de le tuer. Là, il y a un primo. Le costaud, s'il prend la popo par là, je lui saute dessus. Je vous le dis, les gars, s'il prend la popo côté gauche, voilà, style là. Ok, un dernier. Ok. Tac, on est plutôt pas mal pour l'instant. Oh non, le logo, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, frérot. On va essayer de faire ça. On a une popo à droite qu'on va aller chercher. Ouais, y a pas besoin. Y a pas besoin. Et ça meurt. Ok, c'était une promenade de santé, les gars. C'est beaucoup trop simple, en tout cas. Ça fait plaisir. 2 petits top 1 pour finir la vidéo. Et puis, j'espère que ça vous aura fait plaisir, ce Brawl Talk. Moi, il m'a régalé. Je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.